De retour, moi j'étais un peu long, désolé. Ah, Metal Slug. Ouah, mais c'est 10 minutes dans les... Normalement, mais j'avais dit 5. Donc j'espère que les gens pas lâcher le stream à cause de mes bêtises. C'est quoi déjà pour couper le son? Elle est où la musique? Elle est où la musique? Bon, fous-moi la paix, là. Voilà. Voilà. Alors, ça, on ferme. Ça, c'est fait. On remet la layout. Coucou! Oui! Voilà, c'est fait. Ensuite, on prend la manette. On reprend le vœu. On enlève la pause. Et c'est reparti. Tantaku, le nid est KO. Ganja ne gagne des points d'expérience et déodorant aussi. Poids sirène, on va pas changer de Pokémon. Appelle ton poids sirène, je vais te l'exploser en 25. Les gros yeux pour intimider qui perd la défense, le pic-pic qui me fait pas mal, et le coup de corne. Coup de corne. Ah putain, je le tue pas. Oh, ça me fait une mimique. C'est bien, t'as eu le temps à perdre, c'est cool. Ah, j'ai mis un critique. Mais j'ai mis un critique qui sert à rien. J'ai mis le critique que tu mets quand t'as 10 points de vie, pardon, enlever ton adversaire. Et ça, c'est cool, parce qu'en fait, t'aurais pu très bien les enlever sans critique, en fait. Voilà. C'est Pokémon. Fuck my life. Oh merde, je voulais prendre l'objet. Oh, les duels contre les jeunes me maintiennent en forme. J'ai failli dire en vie. Re et hasard. J'ai dû le dire deux fois, c'est pas grave. Fatigué. En plus demain je bosse. C'est pas dégueu, sérieux, ma boîte qui est une boîte d'administratif, elle me fait bosser entre deux jours pas travailler. C'est dégueulasse. Ah, t'es champion, GG. GG les hasards. Eh ben je vais taffer. Mais du coup, t'as joué contre qui? Ah, j'ai mis un critique, ça servait à quelque chose, trop cool! T'as joué contre qui en finale? Un petit point de V qui devait sortir de ce corps, oui, oui, c'est clair. Ou Mister V aussi. Je sais pas lequel est le pire entre les deux. Les éclats qui servent à rien. Ah, c'est cool, j'ai un Pikachu gratos! Un Pikachu débile! J'ai mis deux critiques au même Pokémon! Wouah! C'est la première fois de ma vie que ça doit arriver, ça. Le KG éclair qui marche pas. Quand je vous dis que Topika est craqué sur les électriques, c'est pour ça, là, tout à l'heure, le Major Bob, je vais lui faire l'amour. Il va tellement pas kiffer, ça va être cool. Wouah! Ah, je me sens en pleine forme! C'est pas ça le bon V, le pire. Teen V. Oh ouais, nul max, c'est cool. Bon, c'est bon, vous avez fini de me bâcher sur le chat, là. La langue a fourché, et ça arrive 100 fois par stream. Vous dites rien d'habitude, et là, je me fais défoncer la gueule. C'est intolérable. Merde. Bon, y'a rien. Respectez les gens qui stream. Respectez les gens qui ne savent pas parler. Ah, mais c'est eux, t'as que son ronflex, je sais. Non, fous-moi la paix. Fous-moi la paix, s'il te plaît, la 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 la. Oh, un vieux. Oh oui. Les Pokémon peuvent couper des petits buissons avec la technique coupe. Ah, mon papy, il est trop fort. J'ai vu déjà transporter des Pokémon par-delà les eaux. Les eaux? Les eaux? Ok. Alors, eux, ils veulent se taper. Je fais quoi? J'ai perdu. Je sais pas quoi faire. Le sac. Alors, attends. Est-ce que mes Pokémon sont... Ouf, non, ils sont pas en bonne forme. On va prendre l'objet. La petite potion. La potion. Est-ce que ça sert à quelque chose de soigner Ganja, sachant qu'elle ne... Enfin, qu'elle n'a plus d'attaque. Parce que lui, le max, j'aime bien la garder. Ah, j'ai une mille aussi. Ouais, je vais garder pour plus tard, quand même. Ce sera plus utile plus tard. Potion maxi par potion, ce sera pas utile tout de suite non plus. J'ai des potions, ouais, là, il y a trop de potions, ça me fatigue. Je ne sais plus quoi faire, voilà.
Ok, j'en ai une petite potion. Voilà, on est paré. En avant l'aventure. Que veux-tu? Un Pokémon costaud. Bah les deux c'est mieux. Moi je vote les deux. Le gentleman veut se battre, il fait appel à un Caninos. Encore? Oh non! Oh mais non! Oh mais non, mais laissez la race au canine tranquille. Oh mais non, mais... Pff, mais je suis obligé. Ça me fend le cœur de tuer des chiens. Autant tuer des rats. Autant des poulpes. Bon, des coquillages. Mais des chiens. Merde, quoi. Mec, respectez-vous. Mais du coup, Eleazar, t'as joué contre qui en finale? Enfin, c'était quoi un peu ton bracket quand ça s'est passé? Parce que moi, j'ai envie de savoir si t'as salé Kekun, si t'as ouvert en deux Birdie. Ah, Ponyta! Ah, ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai toujours dit qu'un Ponyta, si tu le tuais, que tu voulais le manger, mais t'es déjà pré-cuit. Le steak de cheval pré-cuit, c'est le steak de Ponyta. Et je me trouve très drôle quand je dis ça en plus. C'est peut-être ça le plus grave. Chef, bravo au premier tour, exhausté au deuxième. Exhausta. Mais attends, c'était une ligue en tant que ligue ou une ou un tournoi avec des éliminations directes? Vol de couille pour... Ah mais non, mais Nuno, s'il te plaît, un peu de subtilité. Vol de couille. Ah non. Faut l'appeler Dinabourse. Je sais pas. Carapuce brûle, c'est de la flotte. Comment tu brûles de l'eau? Oh putain. Il est brûlé, fait chier. Donc c'est élimination directe, t'as fait chef bravo et exhausta en deuxième tour, d'accord. Et après t'es passé en loser en fait. Masquer un espion avec du gros lag. En fait le mec il a lag avec le jeu et il arrive en finale. Ou le mec est vraiment très fort. Ah merde, je voulais pas faire le pas en avant. Je vais récupérer l'objet. Je t'ai pas vu à la fête. Bah non, j'y étais pas. Et à Léo qui a été, s'y est fait chier par contre. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Vibro s'est fait sortir au premier tour par un no-name de Supercade. Ah. Ah ouais, c'est chaud quand même. Mais du coup, ça veut dire que moi, je suis un no-name aussi ou pas? Je sais que je suis pas souvent là, mais... Mais donc, toi, t'as marché sur la terre entière, d'accord, 3-0. Bon, en même temps, si t'avais les mecs qui étaient en mode lagac... Oh, mais ta mère, putain, je prends un critique Bon, je reviens sur ce que je disais. Donc, si t'étais en mode lagac et que toi, t'étais plus fort qu'eux, forcément, 3-0, ça aide. C'est facile. Oui, j'essaie de minimiser ta victoire, c'est exactement ça. Ah, mais faut qu'on se fasse des sessions Windjammers. Faut que je reprenne. Chaud patate, c'est pour Voltaire pas mal. Ah, chaud patate, c'est vrai, c'est pas mal. Ouais, note-le, ouais. Chaud patate pour Voltaire. Apprends tunnel, oh yeah. Eh oui, je vais être Pokémon, ma grande. Alors, il n'y a pas eu de décès. Alors, ce que t'as loupé qu'en fait, j'ai ouvert un dossier à la Banque de France. Donc, du coup, j'étais en surendettement. Je suis dans un bateau, je suis en train de ruiner tout le monde. Ensuite, il n'y a pas eu de décès. J'ai capturé un Topicker que j'appelais Woody Picker. Mais en fait, de base, je voulais écrire Woody Picker. Mais bon, c'est pas grave. Manque d'inspiration certainement, c'est vrai. Et donc voilà, donc là je suis en train de gentiment ouvrir tout un bateau entier, le faire couler, et après j'irai faire le Major Bob. Ouf. Ah, le tunnel, ouf.
Le creux d'un trou, cage éclair, ça me servira à... Ah mais fait vive attaque quand je suis dans le sol. Bon, c'est bon, t'es mort. Et j'ai mis un critique. C'est le stream du critique, hein. Là, on est arrivé à une situation critique, de coups critiques qui vont dans tous les sens. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors en plus, un truc dégueulasse, petite voix, c'est que j'ai vaincu une fillette avec un topiqueur. J'espère qu'elle ne s'est pas accroupie. Voilà. Je suis fier de moi. Ah oh, mais le... Voilà, le compte coup critique, ça va être fait. Du coup, tu disais quoi, petite voix, que t'allais tout regarder au niveau des nosologues pour faire des comptes. Donc voilà, rien que pour vous, elle va compter le nombre de critiques que j'ai mis, le nombre de coups critiques que je me suis mangé. Et d'accord, et de toute façon, on le fera pour les prochains. Avec Atel pour la finir, je crois. Mais oui, c'est coucou, tu vois. Ah, le parc Safari, il est génial, c'est super. Oh, ma petite fille, parc Safari à Parmani, on a plein de Pokémon rares. Ah oui, c'est merveilleux. Ah, le monde des Pokémon est quand même merveilleux. Ah ouais, il y a des poufs. Le capitaine avait l'air tout par l'eau. Parce qu'il est shiny, c'est pour ça. C'est assez fréquent d'avoir le mal de mer. J'ai reçu un message. Ah ouais. Ah ouais. Oh non, putain! Mais fous-moi la paix! De merde, et moi je me balade tranquille. Je suis là. Oh là, oh putain, le bâton c'est bien. Oh là là, putain. Oh là là. Il va falloir que j'y arrive, hein. Il va falloir que j'y arrive. Ah putain, il va commencer déjà à essayer de me guaquer. Parasport. Mais putain, mais tu veux les paralyser, bordel. Ah bah, le putain a fait tomber la reine des neiges. Elsa n'a pas aimé ce putain. Elle n'aime toujours pas ce putain et je pense que je vais la niquer si je fais n'importe quoi. Et je me suis encore pris un coup critique, bordel de merde. C'est quoi? Et des supports Windows? Pourquoi tu t'es ouvert? Oh là 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 là. Non mais Elsa, récupère ton statut de reine des neiges. Arrête ce massacre. Aide-moi. Voilà. Aide-moi. Ok. Oh là là. Oh non, mais commence pas à dire des trucs sales, les hasards, là. Je suis déjà assez salé comme ça. Oh là là, ça parle mal. Mais vas-y, putain, mais t'as... T'as... Je sais plus c'est quoi, c'est 60% de chance, je crois, de le paralyser, et je le fais pas. Ah mais voilà, il serait temps. Alors, je peux pas attaquer. De toute façon... Ah mais non, mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, je prends des jets de sable. C'est pour ça, c'est vrai. Là, c'est complètement ma faute. C'est complètement moi qui disais n'importe quoi. On va mettre déodorant. Ça fait des coups critiques à la souris. Oh non, mais vas-y, mais t'es paralysé, quoi. Je crois que la paralysie, hormis diviser la vitesse, ça a jamais servi à bloquer un adversaire. Jamais. Vraiment, là, il a une chance sur deux et jamais. Et vas-y, oh là là. Mais vas-y, mais fous-moi la paix. Fous-moi la paix, voilà. Ah, ça le tue pas en plus, hein. Ah, ça le tue pas, hein. Vive attaque, mais bien sûr. Eh oui, bah oui, je vais vous y faire, c'est normal, c'est normal. Ce jeu est bien. Ce jeu est bien. Voilà. Alors, Woodpecker, Ganja, monte niveau 24, dis-moi que t'apprends Méga Sensu. Oh putain.
Un Rattatak. Qu'est-ce que je peux lui mettre? Carapuce est crevé. Elle est niveau 16! Oh, ça devrait aller si niveau 16. Coup de corne! Boum! Coup de corne! Non, tu le sens passer là. Voilà. Woody va appeler Kadabra. Ah là, par contre, Kadabra, je vais pas kiffer. Va falloir changer de Pokémon et vite. On va faire appel à Carapuce. Ah, mais. Aïe. Ah, par contre, je suis brûlé. Ça va pas être les ambiances. Ah, mais si tu fais téléport, bah, ça me pose aucun problème. Ah, vas-y, balance les téléports. On voit la téléport. Entrave. Oh putain. Ah non, ça m'a. C'est pas comme dans les suivantes. D'accord. Alors en fait, il m'a entravé, il attaque au pif. Sauf que par la suite du jeu, enfin dans la suite des générations, entrave va entraver la dernière attaque que tu auras faite. Et là, du coup, en fait, là, il m'a bloqué pistolet à eau. Ça tombe bien, je comptais pas spécialement utiliser de. Ah, choc mental par contre. Oh putain de critique de merde! Oh là là, vas-y, mais Carapuce revient. C'est horrible, je suis désolé pour vos oreilles. C'est horrible. Mais échoue, bon, heureusement, il va attaquer. Je suis sûr de le toucher en premier. Oh! Woody, il a one shot Kadabra. Il a 5 niveaux en dessous. Ah, bah, tout dit là, il a été salvateur. Hein. Il apprend Croc de mort. Oh yeah! Ah, j'ai pas lu. Ah, bah, c'est forcément un Florizarre. Woody fait appel à Herbizarre. Niveau 20. En avant, Granja! Granja! Parasport. Ouais, on voit rugissement. Il n'y a pas de problème. Tant que le parasport touche, moi, ça me va. Donc, ma Granja, elle est placée. Là, par contre, moi, je m'en fous. Je balance des super potions à Tire-Larigot. Pour la Granja. Ah putain, par contre, je les gâche un peu. 33 PV pour une super potion, c'est vraiment pas opti. Le rugissement, mais c'est pas grave, tu m'enlèves de la force, mais je m'en sers pas. Voilà. Je m'en sers pas. Le dang a 43 PV. Il fait rugissement, mais ça échoue. Par contre, s'il te plaît, si t'es paralysé, c'est pour qu'aussi, à un moment donné, à un instant T, il y a un vrai jet de dés qui se fasse et qui se dise, bah, si c'est un chiffre pair, t'attaques. Si c'est un père, t'attaques pas. Donc ce qui serait cool, c'est que ce putain de jet de dés, il se fasse. Et qu'il arrête de m'attaquer. Ah voilà, il suffit juste de râler un peu et ça marche. C'est cool. Comme ça j'ai mon switch, il est safe. Ok. Ah mais... Que du bonus, merveilleux. Enfin, il faut se rebeller pour que le jeu comprenne. Oh putain. Mais tu peux pas te laisser mourir, s'il te plaît, bizarre. Oh là là, il lui reste un PV. Oh là, je suis obligé de mettre une charge, quoi. Oh la dépression. Bon, ça va, je lui ai marché dessus. J'ai eu peur. Hein. Oui, Dodo en niveau 25. Shin a vaincu Woody, désolé, mec. Il y a le maître de la technique coupe à bord. Mais ce n'est qu'un vieil homme malade et sénile. La technique coupe est très utile. Tu devrais le rencontrer. Salut, minable! S'il est sénile, c'est qu'il se rappelle pas qu'il le file aux autres, c'est ça? Elle a pas tout compris. Ah, alors là, il vomit, je crois. Blorf, je suis pas bien. Blup. Shin, ma soupe du capitaine.
Scratch, scratch. Ah, merci, mon saillant. Ça va beaucoup mieux. Ah, beaucoup mieux. Mille savoirs, tu veux voir la technique coupe? Je pourrais te la montrer, oui. Mais je suis malade. Je sais, prends ça, c'est la technique coupe. Tu pourras l'enseigner à ton Pokémon. Ah, mais il est gentil. Donc, petite trivia, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. Il y a une rumeur qui dirait qu'en fait... Eh ben, c'est exprès Régis, donc Woody dans le jeu, qui a empoisonné le capitaine pour qu'il te file pas la CS coupe et aussi pour que le bateau ne parte pas. Je sais plus pour quelle raison. Mais voilà, et en fait, il aurait exprès empoisonné. En même temps, ce serait bizarre qu'il se pointe, qu'il va... Ouais, vas-y, vieux, je vais la CS coupe. L'autre qui vomit toutes ses tripes. Ouais, c'est un connard, je me casse. Donc je pense que c'est un peu de sa faute aussi. Je pense que cette rumeur est plus ou moins fondée et plus ou moins logique. Je fais bien le capitaine car j'ai été capitaine. J'ai un petit bateau qui vogue près des bords du Marne. Voilà. Encore une victoire de canard. Mais j'ai pas de canard. C'est un déodorant. Je comprends plus. Hein, encore une victoire de canard, d'accord. Bon, alors du coup, j'ai fini. Normalement, je sais qu'il y a encore une zone à nettoyer au niveau des dresseurs. Je me tâte à y aller. Je pense qu'on va y aller quand même. Non, c'est pas par là. Là, c'est les cuisines. Là, c'est les cuisines à bateau. Je vais même pas voir à quoi ça ressemble en vrai, en fait. Par contre, il y a peut-être des chambres que j'ai pas fouillées. Ah voilà, et là on va vers le pont. Voilà. Alors, on a le mal de mer. Cela dit, là, je suis en train de me faire des bastons, sauf que je pense que Régis m'a un peu défoncé la gueule. Je sais pas, c'est très malin ce que je viens de faire. Oh, ma choc niveau 17, ça devrait aller. Je suis toujours brûlé. Non, en fait, c'est très con ce que j'ai fait. J'aurais peut-être dû aller faire soigner mes Pokémon. Le point karaté qui va être critique, c'est pas drôle. Ah non. Je suis mes 10 ans. Il est quelle heure? Il est 22h36. Et là, par contre, c'est un critique, tant qu'à faire. 22h36, ça nous amène où ça? Ça nous amène que. Faut qu'on fasse une arène. Est-ce que l'arène, je peux la faire en 20 minutes? Bah, j'aimerais bien. Va appeler un tentacool. Non, pas changer de Pokémon, on va rester sur déodorant. Sachant que ça... Non, en fait, c'est vachement random, maintenant que j'y pense, la reine de Cramoisil, non. On a Carmin-sur-Mer. La reine de Carmin-sur-Mer, en fait... Bah, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, c'est assez... C'est assez particulier. Si je sors du bateau, je pourrais plus revenir. Mais de toute façon, faut que je sors du bateau pour continuer le jeu. Donc, ouais, au pire, ce que je vais faire, c'est voir s'il y a un objet à récupérer... Maintenant il y a potentiellement pas grand chose à perdre hein, si je m'en vais. Je lui mettrais bien une poudre au dodo. Oh mais fous-moi la paix avec tes acides là. Quoi? Oui, oui, c'est l'arène avec les poubelles. Et il faut que je trouve les deux poubelles qui sont copines. Mais si je les trouve pas, bah, elle rechange. C'est la magie de l'aléatoire. Allez, Dodorant, tu vas l'ouvrir en 25, ce serait cool. Aussi, ce serait, je pense, de bon temps de bon ton, de faire monter le niveau Cool Molly. Parce que c'est vrai qu'un recoupe c'est toujours sympa. Bah disons Metaltech, c'est vrai que t'as raison pour les thunes. Le problème c'est que lui va me filer combien? Oh bon combat, il va me filer 400, voilà, 500, ça me paye même pas une super potion. Ça me paye pas une... En même temps, c'est une solde de marin, hein, quelque part, on peut non plus trop lui en demander.
Il n'y a pas d'objet en fait. Non, il n'y a rien. Et puis en fait, c'est ouais, j'ai peur de tomber sur un Pokémon qui puisse me contrer, le critique qui me fasse mal, qui me tue un Pokémon. Parce que là où j'en suis, voilà. Carapuce est quasiment mort, en plus il est brûlé. Ganja peut pas attaquer. Déodorant, bah, je me semble qu'il est quand même assez fatigué là. Non, j'ai pas changé d'ordre. Il est assez fatigué. Voilà, coup de corne, il en reste plus que 3. Et faire ça à la charge, c'est chiant. Et ouais, remarque, il y a Woody Pecker, mais le souci c'est que. Mais non, pourquoi? Mais non, je vais pas faire un tunnel dans un bateau, ne sois pas con. C'est que j'ai peur qu'il tienne pas, ouais, défense 20, c'est ridicule quoi. Cela dit, j'aimerais bien qu'il évolue aussi. La petite voix qui tousse, c'est un comble, te dit Nino. La petite voix, pourquoi tu tousses? Au pire, on va essayer de voir ce que je peux faire avec. Avec Woody Pecker, tant pis. Même si je pense que. Il peut se faire de la. Hé, copé! Tu danses? Un tango? Bah non, je suis un mec. Et bizarre, lui. Ouais, Woody Pecker, de toute façon, il va se faire de l'XP sur le. Sur l'arène. Je crois qu'il est au niveau 30, si je me trompe pas. Niveau 30, c'est pas beaucoup. Alors, est-ce que le rugissement. Non, 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 voilà où je voulais pas le faire en fait. Dedans, non. Allez, coup de corne, tant pis, c'est pas grave. Ça va pas le tuer. Oh! Ah, mais j'ai un critique. Bon, bah, d'accord. Il reste un point de vie, mais je lui ai mis un critique. Il y a trop de critiques. Là, je viens de m'en prendre un. Il y a trop de critiques. Des fois, je me demande si cette ROM, elle n'est pas un peu hackée quand même. C'est chaud. Il va appeler Coquillas. Oh putain. Ouais, ouais. On va mettre Ganja, on va endormir et puis. Poudre de dodo. Ça marche, cool. Ok, ça fait un somme, tant mieux. 2 plus 2. 2 plus 2. Le gros jeu pour perdre la défense. Ah, mais c'est vrai qu'au caisse, il y a une défense de ouf aussi. Mais oui. Ah, c'est un peu con ce que je fais. Bon, comme ça, il a divisé par 2. Ça, c'est bon. Il dort toujours, c'est très bien. Ne te réveille surtout pas. J'aurais pas envie de que tu souffres. Reste sous anesthésie. Voilà. Et la charge pour le finir, c'est bon. Ok. Bon, alors maintenant, on va attaquer l'arène. Je me casse de là. On va soigner, tant pis. T'es bon? Bah oui, je sais que je suis bon. Allez, on y va. On va soigner les Pokémon. La voix aussi est en mode critique, c'est clair. Mais bon, j'espère qu'elle va quand même pas me clapser dans les mains. Ce serait triste. J'ai pas envie d'annoncer à tes parents la triste nouvelle quand même. Ok, les 42. Oh, le bateau il s'en va. Voilà, le bateau est parti. Alors, où j'en suis dans mon équipe? J'ai un niveau 24, niveau 23, niveau 25. C'est faible. J'ai un niveau 19. Et après, les deux autres qui servent à rien. Et si le CEO de l'infirmière... Non, c'est pas ma faute. C'est pas vrai. Je suis strictement pour rien. Je réfute ces accusations qui sont mensongères et sans fondement. Que ce soit bien clair. Le centre poké, nous allons nous mettre. Voilà, on va se mettre bien. Soigne mes Pokémon, vas-y.
Moi, pendant ce temps-là, j'édite la scène, t'inquiète. Je gère la fougère. Alors, propriété, donc là on passe à 1380. Ok. Voilà. Hop, 1380. Oh non, mais Nuno, la voix aurait chopé une bronchite.